Bienvenue à tous pour ce colloque de séminaire de la chaire d'évolution du climat et de l'océan. Donc le titre du colloque est Carbone atmosphérique naturel et anthropique. Donc, j'avais mis un pluriel à carbone essentiellement parce que ce matin, nous allons, ainsi qu'une grande partie de l'après-midi, nous allons parler essentiellement de gaz carbonique. Et à l'après-midi, nous aborderons un problème connexe, en fait, qui est en particulier lié à la combustion de fuel fossile, le problème connexe en fait des aérosols carbonés qui ont aussi une influence sur le climat, avec plusieurs conférenciers. Donc vous avez la liste ici. Avant d'aborder des conférences plutôt spécialisées, je vais essayer en fait de vous faire une introduction très générale qui paraîtra probablement très simpliste à la plupart des collègues spécialistes, mais qui, à mon avis, a quand même son utilité pour replacer les choses en perspective, à la fois une perspective historique et une perspective sur le temps long, parce que, essentiellement, pour vous montrer en fait, que la période très récente, des derniers 50 ans ou du dernier siècle, présente une singularité tout à fait manifeste et exceptionnelle lorsqu'on a une perspective longue, du changement du cycle du carbone en particulier. Donc j'ai intitulé ma communication « Introduction et perspectives sur le cycle du carbone dans le système climatique ». Alors tout à fait au départ, j'aimerais rappeler, parce que c'est important de penser aux pionniers du domaine, que les premières mesures véritablement exactes de la PCO2 atmosphérique, de la concentration en gaz carbonique atmosphérique, en fait on la doit à des Français, et notamment à un chimiste français, Jules Rézet, qui travaillait au 19e siècle, qui était finalement le premier à produire une mesure correcte, qui est encore considérée comme correcte au vu des données qui sont reconstituées maintenant de façon beaucoup plus fiable. Donc voilà aussi juste une planche en fait pour vous rappeler ce fait avec son compte-rendu à l'Académie de 1880 sur les recherches sur la proportion d'acide carbonique dans l'air, et il avait trouvé en fait que la proportion de gaz carbonique en volume était de l'ordre de 0,03%, c'est-à-dire 29,4 pour 100 000 en volume, ce qui correspond à 294 ppm, et ce qui est encore tout à fait correct, comme je vais vous le montrer, lorsqu'on considère en fait l'évolution à long terme. Bon, là, c'est juste une planche en fait de l'outil qu'il avait utilisé avec un barboteur à haute baryte. En fait, les premières mesures de gaz carbonique, les premiers tests, on les doit aussi à des pionniers qui ont travaillé en France, notamment Humboldt, le grand Humboldt, qui était très intéressé en fait par ainsi que son collègue chimiste Gay-Lussac, qui était en fait très intéressé par les problèmes de chimie atmosphérique et en particulier des covariations entre deux gaz, entre le gaz carbonique et l'oxygène. Nous allons en reparler. Et dès cette époque, en fait, les deux chercheurs, bon, encore une fois, les techniques de mesure, là, il s'agit d'essais de mesure tout à fait au début du 19e siècle, les techniques de mesure n'étaient pas suffisantes en fait pour véritablement quantifier en termes de ppm et de concentration exacte, en particulier pour le gaz carbonique. Mais ils étaient vraiment à la recherche de ces covariations et ils essayaient même de voir s'il n'y avait pas des corrélations entre les teneurs en gaz carbonique et en oxygène et la météorologie. Ici, là, j'ai juste tiré d'une planche d'un de leurs travaux, d'un de leurs ouvrages, sur différentes mesures, en particulier de la teneur en oxygène de l'air, voisine de 21%, en volume, en fonction des conditions météorologiques à Paris à l'époque. Et en fait, c'est un travail qui est très intéressant parce qu'il montre en fait qu'ils n'arrivent pas à démontrer, à trouver de variations. Donc c'est un résultat qui est négatif, mais il est expliqué en long et en large. Et bon, une des conclusions par Humboldt, c'était effectivement, et Gay-Lussac, c'est d'après toutes nos expériences, il n'y a pas de variation de plus d'un millième dans la quantité d'oxygène que contient l'air. Et la même conclusion a été faite aussi pour le gaz carbonique. Et ce qui est intéressant, c'est en fait la seule matérialisation d'une petite variation des deux gaz qu'ils aient pu rapporter est en fait dans une enceinte fermée, après un spectacle à la Comédie-Française, où vous avez pu montrer en fait, qu'il y avait eu une petite augmentation du gaz carbonique qui troublait l'eau de chaud, et d'autre part, une petite diminution de la teneur en oxygène de l'air au niveau du parterre. Donc, les premiers essais ont été faits bien avant les premières quantifications exactes par Jules Rézet, mais encore une fois, les chercheurs étaient véritablement intéressés par ces covariations entre les deux gaz, et en particulier à la recherche d'une anticorrélation, puisque à chaque fois qu'il y a une respiration ou photosynthèse, il y a anticorrélation entre les deux gaz, nous allons y revenir. Alors, quand on parle de ces pionniers de la recherche
sur le gaz carbonique. Il est important aussi, dès le départ, de rappeler que on doit aussi à ces pionniers du 19e siècle la démonstration que le gaz carbonique est un gaz à effet de serre et qu'il est tout à fait particulier au point de vue de son absorption du rayonnement infrarouge. C'est effectivement ce qui a été démontré quantitativement en fait par John Tyndall, l'Irlandais John Tyndall. Ici, il s'agit d'une planche en fait qui vous montre en fait son célèbre spectrophotomètre qu'il pouvait remplir de différents gaz. Bon, il ne s'est pas contenté de regarder le gaz carbonique et la vapeur d'eau, qui sont les principaux gaz à effet de serre de l'atmosphère, mais il a pu démontrer justement qu'il y avait des gaz bien plus concentrés, comme l'oxygène ou l'azote, qui ne présentaient pas d'effet de serre, enfin d'absorption importante des infrarouges. Et il s'est même aussi intéressé, et nous y reviendrons cet après-midi, il s'est aussi intéressé à la pollution, enfin au problème en fait d'absorption des infrarouges et aussi de la diffusion de la lumière visible par les particules à la fois atmosphériques et en solution, d'où le terme d'effet Tyndall, parce qu'à l'époque, en particulier, les atmosphères anglaises, en particulier à Londres, étaient tout à fait polluées par les aérosols de combustion, notamment des poêles à charbon. Donc un grand pionnier de la science qui a à la fois été intéressé déjà par des problèmes de pollution. Alors encore une fois, à cette époque, l'époque en fait des premières recherches en fait justement sur ces gaz et sur l'effet de serre terrestre, et on ne peut pas parler de ces pionniers sans bien évidemment mentionner le rôle à la fin du 19e siècle de Svante Arrhenius, qui dans son article de la fin du 19e siècle a été le premier finalement à envisager une augmentation de la température en utilisant les données de John Tyndall sur l'absorption des infrarouges par le gaz carbonique, en essayant de faire une prévision. Il avait même calculé en fait qu'un doublement du gaz carbonique atmosphérique se traduirait par un réchauffement global de l'ordre de 5 à 6 degrés, ce qui est encore de façon très surprenante. Bon, encore une fois, il y a des choses qui se compensent, qui fait que c'est un peu par hasard en fait qu'il tombe effectivement sur une valeur qui soit encore compatible avec les estimations, les compilations du GIEC pour un doublement de gaz carbonique, mais c'est effectivement Arrhenius qui a été le premier à envisager cette augmentation de température à l'époque. Alors bon, il faut aussi mentionner le fait que vivant en Scandinavie, il n'était pas véritablement inquiet en fait sur le devenir de la Terre. Il y voyait même un avantage pour ses descendants, mais encore une fois, ici il s'agit des descendants en Scandinavie. Et à l'époque, il y avait en fait très peu de connaissances finalement sur le cycle du carbone et son impact en fait climatique à l'échelle de la planète, en particulier aussi sur le cycle de l'eau. Et un des gros impacts en fait qui inquiète les scientifiques, c'est effectivement l'impact climatique global ainsi que sur le cycle de l'eau. Donc depuis cette époque, en fait, les recherches n'ont fait finalement que, enfin, ont confirmé en grande partie ce que les pionniers ont réalisé au 19e siècle. Et nous savons tous, à l'heure actuelle, que l'homme, enfin, nos activités, injectent en permanence une grande quantité de gaz carbonique au travers de ces combustions, en particulier de carbone fossile, pétrole, charbon, gaz naturel, etc. Et ici, il s'agit juste, pour revenir au temps présent, d'une planche qui résume les dernières données sur les estimations en fait, d'injection de carbone fossile exprimées en gigatonnes de carbone par an de gaz carbonique. On peut expliquer, enfin, c'est la même chose que le gigatonne de carbone par an, c'est la même chose que le pétagramme de carbone par an, que vous allez voir dans certaines planches. Donc à l'heure actuelle, l'injection de gaz carbonique atmosphérique correspondant à la combustion globale est de l'ordre de pratiquement 10 gigatonnes de carbone par an, auquel il faut rajouter une source de carbone qui est directement liée aux activités humaines, qui est la déforestation et la dégradation des sols et les changements de l'utilisation des sols à l'échelle de la planète, avec une estimation donc, qui est plus incertaine sur ces flux de déforestation qui sont à l'heure actuelle de l'ordre d'un peu plus de 1 gigatonne de carbone par an, donc une combustion et une oxydation en fait, de la matière organique qui, au total, avoisine à l'heure actuelle de l'ordre de 11 gigatonnes de carbone par an. Donc depuis les estimations, les prévisions ou les projections qui avaient été faites par Arrhenius, encore une fois qui n'étaient pas quantifiées au point de vue émission de gaz à effet de serre et sa rétention dans l'atmosphère, les chercheurs ont essayé de matérialiser en fait l'augmentation qui était prévisible de la teneur en gaz carbonique. En fait, il a fallu attendre le XXe siècle pour véritablement pouvoir mettre en évidence
l'augmentation du gaz carbonique dans l'air de façon indubitable. Alors, il est important en fait de revenir aussi à certains pionniers du XXe siècle, notamment le professeur Hans Sius, qui a été finalement le premier à mettre en évidence de façon quantitative l'augmentation de gaz carbonique. Il l'a fait de façon indirecte, en utilisant le fait que l'atmosphère terrestre est à peu près, avait atteint un équilibre dans sa teneur en carbone 14, le carbone 14 étant un isotope particulier du carbone qui est créé en permanence par le rayonnement cosmique, et ce carbone 14 avait atteint, l'atmosphère terrestre naturelle avait atteint un état d'équilibre pour son rapport carbone 14 sur carbone 12, qui est tout petit, qui est de l'ordre de 10-12 à l'état naturel, mais encore une fois qui est tout à fait quantifiable, et qui était à l'état stationnaire depuis des millénaires. Et ce qu'a pu matérialiser Hans Sius dès le milieu des années 50, c'est qu'il y avait une dilution. En fait, il ne l'a pas fait directement sur l'air, mais il l'a fait à partir de mesures sur des anneaux d'arbres qui échantillonnent l'air atmosphérique. Et on peut, ce qui est bien avec les anneaux d'arbres, c'est qu'on peut remonter dans le temps. Il a pu remonter dans le temps jusqu'au début du 19e siècle. Cette série temporelle, en fait, donc, qui est actualisée qui a été actualisée depuis par d'autres chercheurs, mais qui montre en fait qu'il y a eu une dilution en fait du stock atmosphérique par l'injection de fuel fossiles qui sont dépourvus, puisque les carbones fossiles sont dépourvus de carbone 14. Ce sont des carbones géologiques très anciens, ils ne contiennent plus de carbone 14. Eh bien, Hans Sius a pu matérialiser la petite diminution. Ici, il s'agit de moins 20 pour 1000, donc moins 2%, mais qui était tout à fait significative et qui montre en fait qu'il y avait dès cette époque mise en évidence de l'augmentation du gaz carbonique atmosphérique via cette vue, un petit peu cette image miroir de la teneur en carbone 14 qui avait tendance à être diluée. D'où le terme, à l'heure actuelle, beaucoup de gens au sens large utilisent le terme d'effet Sius pour parler de l'injection de fuel fossiles. En fait, au sens strict du terme, l'effet Sius, c'est l'effet qui a été matérialisé par Hans Sius dans les années 50. Alors, il a fallu... le problème, c'est que la continuation de cette... Il est possible de continuer à étudier cette dilution atmosphérique de gaz carbonique, de la teneur en carbone 14, à partir d'échantillons atmosphériques, mais le problème, c'est que l'homme a perturbé une nouvelle fois l'équilibre atmosphérique du carbone 14, tout à fait au début des années 60, avec les explosions thermonucléaires atmosphériques, les essais thermonucléaires atmosphériques, engendrer en fait pratiquement un doublement de la teneur en carbone 14. Les échelles ici, c'est une échelle qui est maintenant complète pratiquement jusqu'à l'actuelle. On a une petite diminution jusqu'à pratiquement les années 60, et dès les années 60, une injection de pratiquement une tonne de carbone 14 artificiel qui a quasiment doublé. Donc les échelles ici sont différentes. Ici, il s'agit de pour 1000. Ici, on augmente jusqu'à 1000 pour 1000, donc pratiquement un doublement dans la troposphère de l'hémisphère nord. Et ensuite, une diminution qui est en partie liée, encore une fois, à l'injection de fuel fossiles qui continue, qui s'est même accélérée. À l'heure actuelle, on est à 11 gigatonnes de carbone par an. À cette époque-là, on devait être à peu près à 1 ou 2 gigatonnes de carbone. Et mais en plus, il y a forcément, puisque c'est un phénomène transitoire, injection de carbone 14 thermonucléaire, il y a aussi une injection dans les autres réservoirs du cycle du carbone, ce qui complique en fait l'affaire lorsqu'on essaye de quantifier la partie qui est directement liée au fuel fossile. Mais encore une fois, on peut le faire. Alors, quand on remonte en fait vers le temps présent, en fait, quelques années après, le collègue de Hans Sius de la Scripps, Dave Keeling, célèbre Dave Keeling, a matérialisé, a véritablement documenté, commencé à documenter dès la fin des années 50, une augmentation de gaz carbonique à partir de la mesure du gaz carbonique par des techniques infrarouges qui étaient plus précises que ce qui était fait auparavant, en particulier à l'observatoire au-dessus de Mauna Loa à Hawaï. Ici il s'agit les premiers travaux ont été publiés au début des années 60, et l'actualisation jusqu'à la teneur actuelle, qui est de voisine de l'ordre de 400 ppm, a été actualisée suite à tous les travaux. À l'heure actuelle, on vous le montrera, il y a tout un réseau de capteurs et de stations de mesure de par la planète, mais tout à fait au départ, c'était essentiellement la station de Mauna Loa qui avait été échantillonnée. Donc une teneur qui a continué à augmenter depuis les premiers essais de quantification par Hans Sius. Alors, ce qui est intéressant, lorsqu'on parle de ppm, partie par million en volume, il est intéressant en fait de convertir en fait ces concentrations. On peut convertir directement la concentration en gaz carbonique atmosphérique en termes de gigatonnes de carbone ou en pétagrammes de carbone.
et représenter, comparer directement les estimations d'injection de gaz carbonique atmosphérique, les émissions de combustibles fossiles, et les comparer directement avec le stock atmosphérique. Quand on fait ça, en fait, on voit très rapidement que une grande partie, même l'essentiel, enfin, pratiquement la moitié en fait, du gaz carbonique émis n'est plus dans l'atmosphère. Il y a eu disparition, et en fait, bon, c'est relativement bien compris, comme nous allons le voir. Les molécules de gaz carbonique, dès qu'elles sont injectées, en fait, elles ont un temps de résidence atmosphérique moyen qui est de moins de 10 ans, mais elles vont ensuite s'échapper vers d'autres réservoirs du cycle du carbone, notamment les deux grands réservoirs dont nous allons parler maintenant, le réservoir océanique, avec d'une part une dissolution, une dissociation acido-basique, qui est essentiellement la raison de cette diminution dans l'océan, de ce puits océanique, et d'autre part une fertilisation au sens large du terme, des plantes terrestres avec une séquestration quantitative du carbone aussi dans ce puits de carbone qui est la biosphère terrestre. Il y a plusieurs techniques, en fait, nous avons vu ça lors des cours, il y a de nombreuses techniques qui permettent d'estimer cette séquestration de carbone au cours des dernières années, à la fois dans l'océan et sur le continent, différentes techniques qui ont chacune leurs précisions et leurs imprécisions, donc on a pu les comparer. Elles sont en relativement bon accord lorsqu'on tient compte des barres d'erreur. Mais donc je ne vais pas refaire tout un cours justement sur ces différentes techniques qui montrent en fait que globalement on arrive à boucler ce bilan de carbone et à comprendre où partent les gigatonnes de carbone qui manquent à l'atmosphère à l'heure actuelle. Mais une des méthodes les plus élégantes, et justement parce que ça fait écho justement aux travaux pionniers de Humboldt et Gay-Lussac en France, eh bien, ce sont les travaux qui prennent en compte en fait l'anticorrélation qui a été observée au cours du temps entre l'oxygène de l'air et le gaz carbonique. Donc, ce sont des travaux qui ont suivi, qui ont été réalisés en fait par le fils même de Dave Keeling, Ralph Keeling, qui est professeur à la Scripps, et qui, sur les traces de son père, a travaillé en fait sur un autre gaz, l'oxygène, plus difficile à mesurer, parce qu'il est plus difficile à mesurer stoichiométriquement la petite diminution d'oxygène, parce que le stock atmosphérique est de l'ordre de 21%, que l'augmentation de gaz carbonique qui partait d'une teneur de 0,03% au départ. Donc voici, en fait, pour l'observatoire de Mauna Loa, il y a d'autres stations à l'heure actuelle, bien évidemment, la diminution, l'augmentation de gaz carbonique, dioxyde de carbone, qui atteint 400 ppm au cours du temps. La série temporelle, ici, commence au début des années 90, avec une diminution tout à fait conséquente de l'oxygène de l'air. Et encore une fois, c'est cette anticorrélation et la signature même en fait d'une combustion. Lorsqu'il y a combustion de fuel fossile, bien évidemment, il y a pompage d'oxygène de l'air pour former du CO2. Mais lorsqu'on étudie en fait les choses deviennent rapidement plus compliquées qu'une simple équation stoichiométrique carbone plus O2 donne CO2. Parce qu'il faut tenir compte justement de ces puits de carbone, et c'est justement, même à la limite, tout l'intérêt de l'étude conjointe de ces deux gaz, oxygène et gaz carbonique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avant les perturbations anthropiques, en fait, l'atmosphère terrestre avait atteint, peu ou prou, au cours des millénaires, un état stationnaire pour ces concentrations à la fois en gaz carbonique, de l'ordre de 0,03%, et en oxygène de l'air, 21%. Et il faut voir en fait ces concentrations en gaz carbonique et en oxygène comme étant maintenues de façon dynamique par un équilibre en fait à long terme de beaucoup de termes de flux bruts qui peuvent être importants, mais qui maintiennent un équilibre dynamique des concentrations à la fois en gaz carbonique et en oxygène. Donc, ils sont résumés en fait sur ce diagramme qui montre que les teneurs atmosphériques échangeaient, que l'atmosphère, le gaz carbonique atmosphérique, l'oxygène atmosphérique, étaient en échange permanent avec l'océan, pompage, relargage, et avec la biosphère terrestre, photosynthèse, émission d'oxygène, reminéralisation dans les sols, pompage de l'oxygène, etc. Mais si la biosphère terrestre est maintenue constante globalement, en termes de stock global de carbone, eh bien, il y a un équilibre qui s'établit. Alors, ce qui a changé avec la perturbation anthropique, eh bien, c'est qu'il y a eu ajout d'une source de gaz carbonique directement liée à la combustion de fuel fossile qui a pompé en fait, de l'oxygène. Ce gaz carbonique en fait, qui s'est propagé à l'atmosphère, eh bien, il a tendance, on l'a vu, à diffuser dans l'océan avec une
dissolution et une dissociation acide, mais en plus, il a aussi tendance à fertiliser les plantes qui elles-mêmes relarguent le flux, le pompage biosphérique. En fait, il a comme influence aussi de relarguer de l'oxygène. Donc, au premier ordre, tout à fait de façon simple, on peut écrire en fait un système de deux équations à deux inconnues, deux équations différentielles qui matérialisent justement les flux négatifs ou positifs, en particulier pour l'oxygène, avec un flux négatif qui est lié au pompage par la combustion, un flux biosphérique qui est lié à l'excès de photosynthèse qui est lié justement à cette fertilisation, et pareil pour le gaz carbonique avec un terme océanique qui est plus important pour le pompage par diffusion. Alors cette équation différentielle, ce système de deux équations, on peut la représenter, on peut faire une représentation graphique dans un diagramme pression d'oxygène en fonction de la pression de gaz carbonique atmosphérique. Il s'agit d'une actualisation qui avait été publiée en 2013. Les points de données en fait, au cours du temps qui ont été ici mesurés à Mauna Loa, on pourrait prendre d'autres stations, montrent en fait qu'il y a un alignement. Ici, il s'agit de mesures moyennes annuelles en fait, du couple O2-CO2 au cours du temps. On part d'ici juillet 1991 jusqu'à 2011. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, quand on regarde la correspondance entre les axes, on est très loin, cette pente, cette corrélation linéaire est très loin finalement de ce qui serait prévu pour une combustion simple, qui est matérialisé ici par cette flèche rouge. On s'attendrait à avoir un alignement des points. Alors en fait, le fait qu'il y ait une déviation vient justement du fait qu'il y a pompage à la fois dans l'océan, qui n'a pratiquement pas d'influence en fait sur la teneur en oxygène de l'air, mais qui a un pompage, qui exerce un pompage très important sur la teneur en gaz carbonique. Et comme on connaît la stoichiométrie et les équations de photosynthèse, on peut résoudre en fait de façon simple au premier ordre ce système de deux équations pour en tirer aussi le puits biosphérique. Donc tout calcul fait par Ralph Killing et son équipe, pour la période de 1991 à 2011, en fait, le puits océanique ici est estimé à peu près à 2,5 gigatonnes de carbone par an, et un puits biosphérique net de l'ordre de 1 gigatonne de carbone par an. Alors là, il faut avoir en tête aussi que ce puits qui peut être étudié de façon globale avec ces données, c'est un puits net, et que en permanence, en fait, l'homme occasionne une déforestation qu'on estime à l'heure actuelle à un peu plus de 1 gigatonne de carbone par an. Donc si on veut véritablement quantifier le puits biosphérique qui existe à l'heure actuelle, qui pompe le gaz carbonique émis par nos activités, en fait, il faut ajouter à ce puits biosphérique net les 1 et quelques gigatonnes de carbone par an lié à la déforestation. Donc le puits biosphérique utile, on ne peut pas dire, est pratiquement voisin du puits océanique. On a pratiquement une symétrie entre les deux puits à l'échelle globale. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus lent et qui ne subit pas les mêmes fluctuations interannuelles, mais au premier ordre, on retrouve des choses relativement cohérentes par différentes techniques. Alors, donc on sait à l'heure actuelle où partent en fait les moles de gaz carbonique qui sont injectés par les activités humaines, et pour cette anomalie récente, mais pour mieux l'étudier, en fait, il est aussi intéressant d'avoir une perspective longue sur le passé long, notamment pour mettre en perspective cette augmentation récente qui est finalement très rapide, comme je vais vous le montrer, bon, vous en avez tous conscience, mais c'est vraiment important de remettre ce fait en perspective en regardant des données paléoclimatiques. Alors, il est possible de remonter dans le temps, au-delà des premières données par Jules Reiset et autres, en prenant en compte, en utilisant en fait des données de teneur en gaz carbonique atmosphérique mesurées dans les bulles d'air occluses dans les glaces polaires, en particulier celles de l'Antarctique qui sont peu polluées par d'autres sources. Ici, vous avez deux vues données par les collègues du LNGGE avec des petites bulles directement dans un échantillon de glace. Ici, une vue en lumière polarisée avec ces fameuses petites bulles d'air qui permettent en fait de reconstituer et de compléter les courbes dans le temps. Ici, vous avez l'enregistrement, un des plus célèbres enregistrements de gaz carbonique en Antarctique qui permet de remonter jusqu'à la période pré-industrielle. Ici, une échelle de temps qui évolue de gauche à droite. Je mets à chaque fois une flèche parce que sur certains diagrammes, en particulier dans le passé lointain, les échelles de temps vont être inversées, mais je prends la flèche à chaque fois pour vous montrer où est le temps présent. Voici l'enregistrement donc, du gaz carbonique qui permet de continuer et qui se raccroche très bien avec la courbe de Mauna Loa qui a été débutée par Dave Killing dans la fin des années 50 avec une évolution dans le temps qui se stabilise vers la teneur pré-industrielle qui était de l'ordre de 280 ppm en volume.
Alors il est intéressant, avec ces glaces polaires, de remonter encore plus loin dans le temps pour vraiment avoir une perspective longue sur ces teneurs atmosphériques. C'est ce qui a été fait en particulier par toute la communauté qui s'occupe de gaz atmosphériques dans les carottes de glace polaires, dont on peut résumer en fait les travaux sur ce diagramme. Sur ce diagramme, en fait, sont présentés à la fois les teneurs pour les derniers siècles que je vous ai montrés auparavant, donc qui sont ici avec une échelle de temps exprimée en milliers d'années. On remonte pratiquement sur 1 million d'années à l'heure actuelle avec les glaces antarctiques. Donc on voit que ces fluctuations, bien, sur le dernier siècle, elles sont quasi instantanées sur ce diagramme avec une augmentation verticale, mais on voit aussi des fluctuations à très long terme avec une fluctuation qui est de l'ordre de 100 000 ans, qui correspond à des fluctuations naturelles du gaz carbonique qui sont liées aux glaciations, avec une teneur en gaz carbonique qui évoluait entre des minima de l'ordre de 180 ppm jusqu'à des maxima pendant les périodes interglaciaires comme celle où nous vivons à l'heure actuelle, avec des concentrations qui étaient toujours inférieures à 300 ppm, qui étaient de l'ordre de 280 ppm. Donc des fluctuations glaciaires interglaciaires qui sont liées, la source principale de variations glaciaires interglaciaires, c'est l'orbite terrestre, c'est pour ça qu'il y a une certaine cyclicité, il y a plusieurs types de cyclicité, mais le cycle du carbone a aussi son rôle en particulier parce qu'il constitue en fait une rétroaction qui va agir aussi avec son effet de serre sur le climat de la Terre. Donc on a une perspective en fait sur cette augmentation de gaz carbonique récente qui est tout à fait saisissante avec une augmentation pratiquement une augmentation du même ordre, même plus grande, du même ordre de grandeur que pour la dernière déglaciation où il y a eu une augmentation de 180 à 280 ppm. Alors comme nous l'avons vu avec en particulier John Tyndall, le gaz carbonique est un gaz à effet de serre. Il est possible d'estimer, de convertir au premier ordre les teneurs en gaz carbonique en forçage radiatif moyen à l'échelle de la planète, exprimé en watts par mètre carré. Alors si on parle d'anomalie par rapport à l'état pré-industriel, à 0 watts par mètre carré, on voit qu'une augmentation ici fait augmenter de 1 watt par mètre carré, 2 watts par mètre carré lorsqu'on atteint une teneur de plus de 400 ppm. Et pendant les glaciations, eh bien, il y avait un refroidissement, un forçage radiatif négatif par rapport à l'actuel, avec pour les teneurs les plus basses, un forçage radiatif de moins 2 watts par mètre carré. Donc il est une des façons aussi de regarder, de mettre en perspective ces évolutions du gaz carbonique et donc du forçage radiatif qui est lié à l'effet de serre sous-jacent, eh bien, c'est de représenter aussi les dérivés, la dérivée première, les taux d'augmentation de gaz carbonique et de forçage radiatif. Donc, c'est ce qu'on fait plusieurs chercheurs, bon, c'est quelque chose qui est relativement conventionnel, c'est de tracer au cours du temps, en particulier pour le dernier millénaire, le taux de variation du forçage du gaz carbonique ou directement de la teneur en gaz carbonique exprimée non pas en ppm, mais en ppm par année. Et donc, lorsqu'on fait ce calcul de dérivée première de taux de variation, on voit encore de façon encore plus saisissante en fait, la singularité du dernier siècle avec une augmentation qui va au-delà de 1,5 ppm par an, alors que pratiquement pendant tout le dernier millénaire, il n'y a jamais eu ce taux d'augmentation. La perspective, on peut la dérouler encore plus loin dans le temps. Ici, vous avez une perspective qui vous montre en fait, le même type de calcul de taux de variation du forçage du CO2 exprimé en forçage radiatif ou directement en ppm par an de gaz carbonique. On voit toute la singularité justement de la période très récente avec, même s'il y a eu, comme je vous l'ai montré au départ sur les concentrations, de grandes fluctuations qui sont pratiquement du même ordre de grandeur que ce que nous avons, ce qui a été créé en fait par l'homme sur les dernières années, depuis un siècle, l'amplitude étant de l'ordre de 100 ppm, lorsqu'on fait ces calculs de taux de variation du forçage du gaz carbonique, on se rend compte en fait justement vraiment de la singularité. À aucun moment pendant les derniers 20 000 ans, on a eu ce type de variation. Alors pour bien comprendre justement l'étude du temps long est intéressante parce que on peut étudier les fluctuations climatiques pendant cette longue période de 20 000 à l'actuel, qui est la grande période de déglaciation, je vous l'ai montré sur les courbes de gaz carbonique jusqu'à 800 000 ans, et cette grande période de déglaciation, eh bien, elle est suffisamment longue justement pour véritablement pouvoir étudier en plein les fluctuations climatiques, les modifications de l'équilibre climatique de la Terre liées en particulier à l'effet de serre et à cette augmentation de gaz carbonique. Donc c'est ce qui a été fait par toute une communauté.
Assez récemment, avec des collègues américains, nous avions publié une compilation, nous avions essayé de faire un essai justement de synthèse sur ces problèmes de comparaison entre la paix de CO2 atmosphérique pour la période de déglaciation. Donc ici, c'est une échelle de temps qui remonte, enfin qui va de gauche à droite, avec, qui est exprimée ici en milliers d'années, le dernier maximum glaciaire à peu près 21 000 ans avant l'actuel. Et avec des collègues, nous avions fait des compilations de température pour obtenir une courbe de température moyenne globale qui est indiquée ici en bleu et qui montre que lorsqu'on la compare avec la paix de CO2 atmosphérique reconstituée à partir des bulles d'air occluses dans les glaces antarctiques, eh bien, il y a un décalage qui est manifeste et une augmentation de température qui est tout à fait conséquente de l'ordre de 4 degrés, 4-5 degrés pendant la déglaciation. Alors cet effort, en fait, derrière cette courbe en bleu de moyenne de température globale se cache en fait une compilation de 80 séries de températures, de palais de température pour la déglaciation, localisée dans différents lieux géographiques avec différentes techniques analytiques pour reconstituer les palais de température. Mais c'est indéniable en fait que le gaz carbonique est un des moteurs justement de la déglaciation, même si la pichenette de départ est effectivement orbitale. Mais comme nous allons le voir, lorsqu'on tient compte de la modélisation, on voit très bien en fait que les changements de l'insolation qui sont liés au changement de l'orbite terrestre ne peuvent pas en fait générer ce réchauffement de la déglaciation. Alors cette compilation a été actualisée, enfin cette comparaison entre les teneurs atmosphériques en gaz carbonique et une courbe de température moyenne globale pendant la déglaciation a été actualisée encore plus récemment par une équipe américaine qui a travaillé en fait sur un nouveau puits de forage en Antarctique qui leur a permis en fait de reconstituer les teneurs atmosphériques en gaz carbonique de façon encore plus précise que ce qui était fait auparavant. C'est la carotte West Antarctique WDC qui a permis de reconstituer encore plus finement la teneur atmosphérique. Ici, la courbe de changement de température globale est toujours la même. C'est une actualisation du diagramme en fait par Chacoun et al. Dans le papier de Marcotte et al. Avec un changement du gaz carbonique qui, le message est exactement le même que celui du papier de Chacoun, la température globale suit de plusieurs millénaires. Il faut attendre en fait de voir le phénomène se propager pour véritablement prendre l'ampleur en fait du phénomène climatique lié à ces gaz à effet de serre et notamment le gaz carbonique. Alors pour vraiment avoir plus de compréhension de de l'importance en fait du gaz carbonique pendant la déglaciation, il faut envisager un effort de modélisation. C'est ce que nous avions fait en fait dans le cadre du papier de Chacoun avec une équipe américaine qui travaille avec un modèle climatique général, de circulation générale couplée océan-atmosphère, un GCM, en particulier avec une équipe du NCAR à Boulder dans le Colorado. Et voici les ingrédients en fait de l'expérience en fait qui a été réalisée dans le cadre de cette étude, qui essayait de reproduire un petit peu ce que nous avions compilé à partir des données. La modélisation en fait permet d'introduire les différents forçages qui ont eu lieu pendant la dernière déglaciation, en particulier les forçages liés à l'orbite terrestre, l'insolation à différentes latitudes. Bon, ici vous avez deux courbes représentées, mais on les a toutes. Ici 65 degrés nord, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'insolation terrestre en fait varie de façon relativement lente pendant cette déglaciation, et avec une amplitude qui dépend des latitudes. Si on ne fait qu'injecter ces changements d'insolation terrestre qui, à très long terme, génèrent en fait le phénomène de glaciation, eh bien, on obtient la courbe verte, c'est-à-dire qu'à travers la modélisation, on voit qu'on ne peut pas rendre compte en fait du changement de température pendant la déglaciation, si l'on ne tient compte en fait que de l'insolation, pour pouvoir véritablement déglacer et générer un phénomène de grande ampleur avec un changement de température de plusieurs degrés Celsius à l'échelle de la planète. On est obligé en fait dans la modélisation d'injecter le gaz carbonique atmosphérique qui est représenté ici. C'est la même courbe que celle que je vous ai montrée auparavant. Et il y a d'autres ingrédients en fait dans la modélisation qui sont prises en compte, en particulier la modification de l'albédo terrestre qui est liée à la présence de calottes de glace sur les continents que l'on peut reconstituer. On peut reconstituer la surface des calottes, notamment à partir des reconstitutions du niveau de la mer que nous effectuons à partir des coraux prélevés dans différents sites de par le monde. Ici, il s'agit d'une courbe de niveau de la mer, mais qui peut être retranscrite en surface des calottes de glace, qui ont donc une influence en fait, sur l'albédo terrestre et donc qui sont introduites comme ingrédient, comme forçage dans ce calcul pour la déglaciation. Le message important est justement sur ces courbes de modélisation. Sans le gaz carbonique, on ne peut pas générer une déglaciation. La seule façon de le faire, c'est effectivement, comme c'est montré ici avec les courbes bleues, c'est en injectant directement le gaz carbonique. Alors on peut aussi modéliser l'influence de l'océan, c'est ce qui est fait dans le papier, mais je n'ai pas le temps en fait, de vous détailler
les différents thèmes. Alors, d'où vient un des problèmes un petit peu similaire à ce qui s'est passé pour le dernier siècle? Il est intéressant, en fait, de regarder d'où vient le carbone, d'où vient ce CO2 qui a augmenté pendant la déglaciation. Donc, il y a toute une communauté, en fait, paléoclimatologues, en fait, qui s'intéressent justement à ces sources de gaz carbonique. Alors, on peut étudier ces changements de sources, notamment en regardant les signatures isotopiques. Ici, il s'agit d'un résumé d'un travail effectué directement sur les bulles d'air, mesure du rapport carbone 13 sur carbone 12, directement dans les bulles d'air qui ont permis de reconstituer la paix de CO2 au cours du temps. Ici, l'échelle est inversée. On évolue depuis le maximum glaciaire, ici, jusqu'à l'interglaciaire à ce niveau-là. Donc, on voit que pendant la déglaciation, pendant pratiquement toute la période, il y a eu une anomalie, une diminution, bon, qui est significative, en fait, bon, qui est à la limite de la précision analytique de ce qu'on peut faire actuellement, mais qui est tout à fait quand même significative, et qui est compatible, en fait, avec un dégazage, avec une source océanique pendant pratiquement toute la déglaciation. Alors, on a d'autres preuves, on a d'autres archives qui permettent de reconstituer les teneurs, le rapport isotopique carbone 14 sur carbone 12, qui sont tout à fait compatibles avec ce dégazage océanique. On a d'autres preuves encore qui sont encore plus qui permettent de matérialiser et même d'identifier quelle est la zone de l'océan. Et à l'heure actuelle, les yeux se tournent effectivement vers la zone australe. Alors encore une fois, un diagramme très compliqué, mais qui est tiré d'une étude récente justement à partir qui a été effectuée sur des mesures de carbone 14 dans des coraux benthiques, dans des coraux qui vivent à plusieurs milliers de mètres de profondeur et qui échantillonnent l'eau profonde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les teneurs en gaz carbonique, les teneurs en carbone 14 des coraux benthiques, de l'eau profonde, est directement liée à sa teneur en gaz carbonique. Donc en fait, ce qui a été matérialisé ici par les chercheurs, c'est qu'au cours de la déglaciation, avec H qui progresse de droite à gauche ici, eh bien, pendant cette période d'augmentation du gaz carbonique, il y a eu un mélange des masses d'eau dans la zone australe, avec un mélange très important entre les différentes couches que l'on peut matérialiser au travers justement de cette évolution du carbone 14 sur carbone 12 dans les coraux benthiques, qui montre en fait que les différentes couches se sont mélangées de façon pas instantanée, mais qui ont permis en fait à un relargage de gaz carbonique vers l'atmosphère. Donc tout concorde en fait pour dire que une grande partie du gaz carbonique qui a évolué pendant la déglaciation vient de l'océan, en particulier en provenance de l'océan austral. Alors, ce qui a changé encore plus récemment, en fait, est lié à des recherches justement sur une carotte de glace qui permet d'avoir une résolution encore bien meilleure, la carotte de WDC, qui a été publiée l'année dernière par Marco Tétal. Et ces chercheurs donc, ont confirmé, je vous l'ai montré au départ, enfin, dans une des planches, l'évolution du gaz carbonique au cours du temps. Mais en plus, ils ont pu montrer, avec justement cette nouvelle résolution, eh bien, qu'il y a eu des variations abruptes aussi de la paix de CO2 atmosphérique pendant la déglaciation, chose qui n'était pas du tout attendue, avec des augmentations pratiquement de l'ordre d'une douzaine de ppm en quelques siècles, pendant trois périodes particulières. Ici, il s'agit juste d'un zoom sur trois périodes particulières sur cette lente déglaciation en gaz carbonique, avec une période autour de 16 000 ans, une période autour de 14 700 ans, et une autre période à 11 500 ans qui montre en fait des changements pratiquement en un ou deux siècles de la teneur atmosphérique en gaz carbonique, et avec des taux qui sont tout à fait exceptionnels, alors qui n'ont rien à voir avec le taux actuel de plus de 1 ppm par an, mais qui sont quand même des taux tout à fait exceptionnels si on faisait un zoom justement sur cette évolution du taux de la dérivée première du gaz carbonique atmosphérique en fonction du temps. Ce qui est important aussi, c'est que, en même temps, dans les mêmes échantillons, ils ont pu mettre en évidence un réchauffement particulier de la zone de l'Antarctique et une augmentation aussi du méthane dans les mêmes échantillons. Donc, les hypothèses, en fait, pour l'instant, il n'y a pas encore de compréhension vraiment tout à fait définitive, en fait, sur ces augmentations transitoires du gaz carbonique. Dans le papier de Marcotte et al., les chercheurs font l'hypothèse que probablement, une hypothèse serait un dégazage, encore une fois, océanique très rapide, particulier, alors que pendant toute la déglaciation, il y a aussi un fond de dégazage océanique. Il y a des problèmes avec cette hypothèse aussi, notamment le fait qu'il faut expliquer le méthane, le fait qu'il faut expliquer cet événement qui intervient pendant une période très très froide. Donc il y a encore la place en fait pour différentes hypothèses. Avec certains collègues allemands, en fait, nous avons fait l'hypothèse que, en particulier pour la période de 14 700 ans, eh bien, les rapports isotopiques C14 sur C12 et C13 sur C12 sont compatibles en fait avec une source continentale. Ça pourrait être aussi
une source continentale, notamment parce qu'il faut savoir que pendant la glaciation, il y avait de nombreuses zones englacées, et en particulier du pergélisol, du permafrost, qui couvrait une grande partie de l'Europe et de l'Eurasie. Si vous avez une cartographie en fait, qui résume en fait, beaucoup de simulations au GCM pour la dernière période glaciaire dans le cadre du projet PEMIP 3, qui montre en fait que à la fois là où il y avait des calottes de glace en bleu, il y avait de la glace et du sol gelé en dessous, mais une grande partie de l'Eurasie était couverte en fait par du pergélisol. Il y avait aussi des sols gelés saisonnièrement sur une grande partie aussi du continent, enfin de l'hémisphère nord, donc potentiellement du carbone à dégazer. Alors, ce qui est important, c'est qu'en fait, quand on fait une partie des données du problème est résumée justement dans ce diagramme que nous avons publié en 2014, qui montre en fait qu'il y a une corrélation entre cette petite augmentation. À l'époque, on n'avait pas à disposition la fameuse courbe de Marcotte et al. Sur la carotte WDC à meilleure résolution, mais on a cette petite marche en escalier de l'ordre de 12 ppm qui correspond à ce réchauffement en Antarctique et aussi à un petit accident transitoire en fait, du carbone 14 atmosphérique que l'on peut matérialiser à partir d'autres archives, coraux et autres spéléothèmes et autres types d'archives qui sont compilés dans le cadre d'un grand programme qui s'appelle le programme INCAL. Et dans le cadre de cet exercice, eh bien, on a vu qu'il y avait une correspondance entre ce petit accident. Donc un essai, encore une fois, il ne s'agit que d'hypothèses, mais nous avons utilisé des modèles en fait, pour voir si on pouvait expliquer justement à la fois l'appât de CO2 et le petit accident en carbone 14 et en carbone 13. On a utilisé des modèles numériques qui simulent en fait, le cycle du carbone. On a utilisé aussi un modèle climatique pour essayer de quantifier l'effet climatique en fait, de la perturbation qui correspond pratiquement à 100 gigatonnes de carbone en 200 ans. C'est ça l'hypothèse de départ qui a été utilisée dans la modélisation. Et voici, juste pour montrer un petit peu comment les choses se passent, une vue qui représente à la fois les données du petit accident vers 14 700 et des comparaisons avec différents types de simulations, avec différents ingrédients de la simulation du cycle du carbone et du rapport C14 sur C12 au cours du temps, qui arrive à simuler le petit accident en C14, qui est lié à une injection liée à cette remobilisation du carbone du permafrost, avec environ un flux de l'ordre de 100 gigatonnes de 100 gigatonnes de carbone, 100 pétagrammes de carbone en l'espace de 2 siècles. Voici la vue en fait, similaire, enfin, qui correspond pour le gaz carbonique atmosphérique. Ça, c'est la vue que nous avions publiée en 2014 avant le papier de Marcotte, avec une comparaison modèle donnée entre la modélisation du gaz carbonique qui correspond à peu près à cette petite marche en escalier de 12 ppm et une actualisation en fait, du calcul avec une réduction un petit peu du flux de carbone de l'ordre d'un peu moins de 100 pétagrammes de carbone en 200 ans qui correspond tout à fait à ce que nous voyons dans la teneur atmosphérique dans ces carottes de glace. Alors encore une fois, le jury n'est pas clos, on a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de travail pour reconstituer des archives et des fluctuations de gaz carbonique et de carbone 14 et de carbone 13 dans les différentes archives qui sont utilisées, mais pour l'instant, il y a encore débat sur les sources à la fois continentales et océaniques. Alors on a, pour terminer en fait, l'article, on avait aussi fait un essai de modélisation en introduisant les 200 ppm, bon, c'est le principal gaz qui agit là, sur cette période de temps, ici il s'agit d'un zoom en fait, sur la simulation obtenue avec le GCM couplé Océan Atmosphère Cosmos allemand, qui est utilisé à Brême et à Bremerhaven, à la vie. Donc voici en fait, un zoom en fait, de la simulation qui a été forcé avec les teneurs connues en gaz à effet de serre, en particulier le méthane, N2O, bon, qui ont une influence finalement qui est mineure, enfin, qui n'est pas aussi importante que celle du gaz carbonique, et l'influence du gaz carbonique exprimé ici en ppm, qui est le gaz le plus important au point de vue forçage radiatif ici sur ce diagramme. Et en fait, on arrive à expliquer pratiquement 0,5 degré de changement de température pendant cette petite transitoire de l'ordre de 200 ans en Antarctique, qui serait liée directement à cette injection de l'ordre de 100 gigatonnes de carbone par an, 100 gigatonnes en l'espace de 2 siècles. Donc j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de ces différents flux, à la fois sur le dernier siècle et sur une perspective longue paléoclimatique. Et encore une fois, le tableau était vraiment là pour vous montrer toute la complexité du problème, le fait qu'il faut non seulement s'intéresser à l'atmosphère, mais aussi aux différents compartiments du cycle du carbone qui sont en échange permanent
Et plutôt que de vous faire une conclusion, j'aimerais juste vous montrer en fait une vue qui résume un petit peu, encore une fois, de loin on ne voit pas, mais les différents termes, mais il s'agit d'un résumé, en fait, d'une représentation de la complexité du cycle du carbone actuel. Encore une fois, on en a une idée, comme je vous l'ai montré aussi dans le passé, qui résume le fait que eh bien, il y a une très grande complexité du cycle du carbone et que finalement, ce qui le caractérise aussi, c'est la petite taille, la petitesse du réservoir atmosphérique qui n'est que de 600 gigatonnes de carbone, alors que les flux bruts peuvent être très importants, aussi de l'ordre de 100 gigatonnes de carbone par an en permanence. Donc on a un équilibre dynamique qui est contrôlé par des flux qui peuvent être très importants, qui s'équilibraient à long terme, qui sont très dépendants aussi de la climatologie à long terme, et qui, depuis, sont perturbés en fait, par une autre source, qui est la source anthropique. Et donc on s'attend à avoir des modifications très importantes, comme nous l'avons vu et comme nous allons le revoir aussi pendant tout le séminaire, des teneurs atmosphériques en gaz carbonique, non seulement à l'échelle globale, mais aussi de façon très spatialisée, comme nous allons voir. Et ces données spatialisées vont être tout à fait utiles pour essayer d'identifier les différentes sources, et puis au cours du temps. C'est ce que nous allons voir pendant la suite du séminaire. Et j'aimerais maintenant, sans transition, en fait, vous présenter le prochain orateur, qui est Philippe Siès, qui est directeur de recherche au CEA. Et donc qui travaille au LSCE à Gif-sur-Yvette et qui va nous parler en fait de choses beaucoup plus actuelles, mais encore une fois en montrant justement les problèmes de variabilité spatiale, avec un titre qui est « Observation et tendance des émissions des flux naturels de CO2 au cours des 100 dernières années ». Voilà. Je vous remercie de votre attention pour la première conférence.